Bonsoir à tout le monde. Votre général 5 étoiles. Cette vidéo, c'est pour mettre les points sur les i. Il faudrait que, à un moment donné, les gens, on se respecte. Il faudrait qu'à un moment donné, que chacun chasse ce qu'il veut dans cette vie. Voilà. Personne n'a obligé son prochain de faire ce qu'il est en train de faire. Nous sommes tous au-dessus de 18 ans. Tu sais pourquoi tu es en train de faire. Moi, personnellement, le combat que je mène, peut-être que d'autres sont venus me trouver dedans. Ils sont venus me trouver dedans. Donc, ils n'ont pas de leçon de morale à me donner dans ce que je suis en train de faire. Ou à quelqu'un d'autre. Chacun décide ce qu'il a envie de faire de sa vie. Tout le monde est libre de choisir son camp, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ce que je fais par conviction. Je vais dire, ceux qui rencontrent gauche-droite, moi, je ne suis pas dans ça. On m'a dit, je ne suis pas dans ça. Quand tu veux, là, ceux qui te disent, là, il faut sortir. Il y a des gens qui ont trop parlé, qu'il y a des gens ici en Guinée qui prennent de l'argent au nom des communicants, c'est rentré, c'est sorti. Ça, j'ai trop entendu. J'ai dit, moi, je ne rentre pas en clash avec quelqu'un. Mais quand trop, c'est trop, on va se dire ici. Celui qui a raison, là, ils vont parler. Ceux qui parlent que le RPG, qu'on donne de l'argent, parce qu'ils vont entendre, Damaro est parti, il allait à Cancan, dans Hélico. Damaro, il mange à, je ne sais pas, Rivera Hotel, Damaro Tan. Je vais dire, ceux jusqu'à présent, là, qui sont excités, là, qui ont en tête que c'est l'argent leur problème, je vais vous dire, ressaisissez-vous. Ceux qui vous parlent que telle personne prenne ceci, cela, là, c'est pourquoi je fais ce direct pour défier qui que ce soit. Ici, je vais vous dire, même les vrais responsables, les vrais communicants du RPG, les calots que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils font des posts, les vrais, je dis bien, les vrais communicants, les agréés, ceux-mêmes qu'on dit communicants, peut-être qu'ils font beaucoup d'écrits. Les vrais communicants du RPG, ils sont là, ils sont frustrés. Mais vous ne les avez jamais vus en train de dire de n'importe quoi. Eux, ils sont là. Moi, je sais dans quelles conditions ils sont ici. Les vrais communicants, nous autres là, on l'a fait par conviction, les accompagner. Mais quand j'entends des gens chaque fois dire que telle personne ici à Conakry a pris de l'argent au nom de tel groupe, je vous ai dit, ceux qui vous disent là, dites-leur ici de dire le nom de ceux qui ont pris, de ceux qui les ont donné de l'argent. Vous ne connaissez même pas le RPG, vous bavardez seulement. Moi, je le dis, hein, je le dis, aucun responsable du RPG ne m'a donné, même les passes que j'utilise depuis que je suis à Conakry. Voilà, il y a une personne, je vais le dire, lui, il n'est pas politicien, il n'est pas du bureau politique du RPG. Aimer ce que je suis en train de faire, m'a fait un geste, à part lui, je dis rien. Mais tous ceux qui parlent que les gens prennent de l'argent à leur compte, ils sont assoiffés, c'est le matériel qui est dans leur tête. Sortez, vous allez faire vos directs. Celui qui a donné l'argent à qui? Sortez, vous allez dire à qui il a donné l'argent. Arrêtez vraiment de nous tympaniser avec vos illusions. Parce que, ça, Dieu merci qu'il y a, des communicants qui sont venus. Tout le monde est ici à Conakry. Donc, appelez-les. Vous ne connaissez, quand tu rentres dans le RPG, quand tu rentres pour l'argent, tu seras frustré. Quand tu as une conviction là, là, peut-être que tu vas en bénéficier demain. Mais ceux qui sont là à raconter que telle personne a pris de l'argent au nom de telle personne, appelez les vrais communicants du RPG. Les vrais communicants, ceux qui sont agréés là. Demandez-leur combien de frustrés parmi eux. Vous avez entendu ces gens-là sortir, se clasher ou bien clasher les membres du gouvernement. Mais ceux qui pensent que des gens vivent de leurs moyens, les voient vivre dans de bonnes conditions, vous êtes là comme si ils vont prendre de l'argent au nom de je ne sais quel groupe, au nom de je ne sais qui ici. Donc arrêtez de raconter de n'importe quoi sur des personnes. Vous ne savez pas comment ils gagnent leur vie. Vous êtes libre de faire vos directs. Celui qui vous a dit que telle personne a pris de l'argent au nom de telle personne, vous allez le dire. Moi, je le dis ici. Je défie tous les responsables du RPG. Moi, je suis là. La manière dont l'UFDG traite leurs communicants, vous voyez leurs communicants combien de fois? Vous pensez que nous autres là, Qui m'a vu un jour dire que oui, le RPG, ils m'ont donné même la connexion. Donc arrêtez, on ne veut pas trop parler. On ne veut pas trop parler. Si vous êtes flanqué là-bas en train d'imaginer des bêtises,
Sortez celui qui vous a dit telle personne a pris de l'argent ou telle personne a donné de l'argent à telle personne. Sortez, vous allez dire devant tout le monde. Moi, je ne veux plus voir des vidéos de frustration, de division, en train de se diviser pour des futilités. Les vrais mêmes communicants du RPG sont là. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas de véhicule, ils n'ont même pas de vélo, ils n'ont même pas de moto. Même matin, midi, soir, ils sont là en train de se battre pour le RPG. Eux-mêmes, ils sont là, ceux-mêmes qui sont agréés, qui sont des vrais responsables. Nous autres, là, nous sommes venus. On a dit, le système, là, les gens, là, les moutons de l'UFDG, on les bat à la route. Mais s'il y a des gens qui racontent chaque fois, matin, midi, soir, telle personne a pris l'argent au nom de telle personne, venu se clasher pour des futilités. Sortez celui qui vous a dit que telle personne a pris de l'argent, vous allez parler. Moi, je suis fatigué des futilités. Voilà. Si vous pensez que le RPG, c'est de l'or qu'on donne aux gens, où nous nous sommes venus ici, c'est des milliards, où c'est... Même je dis passe, je dis bien passe, on ne m'a pas donné, je dis ça ici. Même passe pour les directs que je fais. Je fais combien de directs ici? Moi, si vous pensez que c'est à cause de l'argent, moi j'ai dit je combats comme on appelle ces ethnos de l'UFDG. Moi j'ai dit ce n'a rien à voir avec comme on appelle le RPG. Le combat là, ces gens que nous avions en face aujourd'hui là, ces ethnos là, moi, c'est le combat là que je mène. Moi, j'ai ma conviction. Je ne suis pas là pour dire que problème d'argent. Le RPG, on me donne pas, c'est pas mon problème. Si eux, ils le font pas, ça, c'est leur problème. Voilà. Donc, arrêtez ceux qui vont, on met certaines choses dans vos têtes que vous allez vous asseoir, on vous donne pas ça. Appelez les responsables du RPG. Vous allez les demander. Voilà. Celui qui a dit que ils ont donné 5 francs, moi-même, ça va me plaire même pour que je puisse avoir ma part dedans. Ça, ça va me plaire pour que je puisse avoir ma part dedans. Mais arrêtez vraiment de nous saouler avec des mensonges. Vous, vous n'avez rien compris dans le système du RPG. Voilà. Le président lui-même, il a dit, si tu viens dans le RPG pour dire que c'est l'argent, tu n'auras pas cet argent. Mais si tu viens par conviction, là, tu vas récolter quelque chose. Mais ceux qui vous mettent des conneries à l'oreille pour dire que telle personne, parce que oui, en dessous, les autres, ils sont à l'hôtel ici, en dessous et les autres... Ansu est parti dans l'hélico à Kanka. Ansu, si vous ne savez pas comment les gens vivent, sortez, vous allez demander, vous allez apprendre comment fonctionne le RPG. Je vous dis, vous allez comprendre comment fonctionne le RPG. Moi, je suis pas là pour clasher quelqu'un, mais je suis fatigué tout le temps des gens. On m'a dit là. Sortez, vous allez dire, telle personne qui vous a dit, ils ont donné l'argent à telle personne pour que moi aussi, je puisse avoir pour moi dedans. Parce que je suis fatigué. Moi, j'ai dit, je suis fatigué. Personne n'a dit à quelqu'un de faire des vidéos. Personne. Voilà. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. Tu le fais parce que tu as une conviction. Tu sais pourquoi tu es en train de faire les vidéos. Le RPG n'a jamais appelé quelqu'un. Les gars, sortez, vous allez faire des vidéos pour nous. Ou bien, la manière dont l'UFDG est en train de faire, quand il voit des blogueurs, il les approche pour défendre. Le RPG n'a jamais fait ça à quelqu'un. Si le RPG, s'ils sont conscients de ce que nous sommes en train de faire, ils nous approchent, ils nous font des cadeaux. Ça, c'est entre nous. Mais moi, là, quelqu'un va pas me payer à faire du mal, non. Voilà. Donc, si vous êtes là tout le temps à raconter des trucs là, grandissez dans la tête. Grandissez dans la tête. Voilà. Les noms que vous dites là, moi prochainement, les noms que vous dites là, mettez les noms. C'est pas la peine d'accuser tout un groupe. Mettez des noms, hein. Tous ceux qui vous racontent qu'ils ont donné l'argent à tel là, ils savent même pas comment les gens vivent ici. Comment ils font pour gagner l'argent? Vous ne le savez même pas. Voilà. Moi, je suis là, hein. Il y a d'autres communicants qui sont là aussi. Ils peuvent le justifier. Mais tous ceux qui racontent des bêtises là, qu'ils arrêtent de raconter des bêtises. Ceux qui leur ont dit quelque chose là, ils n'ont qu'à prendre ses preuves. On est sur Facebook, tout le monde nous voit. Ils vont dire, telle personne a dit, il a donné ça. Nous sommes en Guinée, non? C'est aussi simple. Mais arrêtez de nous saouler avec vos paroles, je ne sais quoi. Des accusations inutiles, pour rien du tout. Vous ne saviez même pas comment le RPG fonctionne. Vous ne saviez même pas comment le RPG fonctionne. Les jeunes communicants qui sont là, hein? Les jeunes communicants du RPG qui sont là, ils n'ont même pas de vélo. Ils n'ont même pas de vélo. Je dis bien, ils n'ont même pas de vélo. Matin, midi, soir, ils sont sous la pluie. Matin, midi, soir, ils sont là, en train de se battre pour le parti. Ils le font par conviction. Mais si des gens se mettent ailleurs, en train de dire, telle personne a pris de l'argent au nom de tel groupe ici, ou tant. Et puis ceux qui le disent là, vous m'avez trouvé dans ce que je suis en train de faire. Moi, je parle à mon nom. Personne ne m'a dit, Damaro, quand tu fais tes directs, il faut dire ça. Moi, personne ne me dit de faire cela. Voilà. Je fais ce qui me semble bon. Voilà. Je fais ce qui va dans le programme du professeur Alpha Condé. Donc, je suis fatigué des conneries maintenant. Si vous sortez là, dites les noms en même temps. On va se respecter. Trop, c'est trop. Il faut qu'on se respecte.
Le RPG, c'est pas comme l'UFDG. Là-bas, là, vous voyez leurs communicants, ils sont venus, non? Les conditions où ils les ont mis. Si vous êtes jaloux de ça, là, les autres, là, vous savez, demandez-les comment ils vivent. Comment ils font pour aller manger à l'hôtel Sheraton ou à l'hôtel Rivière. Demandez-les comment ils font pour payer leur plat. Mais ne dites pas que le RPG a donné l'argent à quelqu'un. Appelez les responsables du RPG. Moi, Damaro, moi, je suis venu avant vous tous. S'ils m'ont donné 5 francs un jour, même le prix de l'eau, si le RPG m'a donné le prix de l'eau, il faudrait qu'on arrête. Hein. On n'a pas besoin de venir sortir. Moi je ne mène pas mon combat à cause de l'argent. Si c'était à cause de l'argent, depuis longtemps j'ai dit, je serais peut-être dans l'autre camp. Mais ceux qui se permettent de raconter de n'importe quoi. Vous-même, vous me connaissez. Moi, je suis plus engagé que vous. Voilà. Moi, ma détermination, là, moi, j'attaque un système. Voilà. Donc, j'ai commencé avant d'autres. Mais ce n'est pas ceux qui viennent d'arriver vont dire à telle chose. Moi, personne ne me fera changer. Chacun est libre de mener son combat. Si on vous a dit que telle personne a reçu tant, appelez. Moi aussi, je vais avoir ma part. Voilà. Appelez. Donc, les abonnés, je suis désolé. Il fallait que je fasse cette vidéo. Parce que moi, je peux, j'aime pas. On m'a dit, je ne suis pas dedans. On m'a dit, je ne suis pas dedans. Le jour que le RPG va me donner quelque chose, tous les autres communicants le sauront. Même, voilà, même si c'est un bic là, vous le saurez. Mais je ne vais pas accepter que des gens sortent pour accuser tout un groupe. Dites les noms des personnes. Telle personne qui vous a dit, vous allez le dire. Donc, mes abonnés, tous ceux que j'ai touchés, je suis désolé, mais il fallait cette vidéo que les autres aussi sortent. Ceux qui les racontent des bêtises là, ceux qui prennent de l'argent au nom de telle personne, qu'ils sortent aussi, ils viennent se justifier. Voilà, ce n'est pas le moment des clashs. Nous sommes là pour le combat. Donc, moi, ceux qui vont sortir encore pour raconter des conneries encore, il n'y a pas de problème. J'ai ma réponse aussi.